Depuis le retour de Guy Philippe au pays, Noël n'a jamais raté l'occasion pour l'évoquer Bessap. Il a parlé de sécurité, il a parlé de la police, de l'armée, tout comme il a parlé de Bessap. Il a parlé de l'éventualité pour tout le monde mettre ensemble pour bataille contre gang en le pays. Il a parlé de Bessap. Partisans et sympathisants Guy Philippe, il n'a pas jamais raté l'occasion pour parler de Bessap. Il nous a recevoir lundi récemment, qui lui-même, c'est un principal dirigeant réveil national, lui-même accentué sous Bessap dans le cadre de la révolution, il a dit qu'il a décidé de faire un pays. Donc, qui ça veut dire? Ça veut dire l'équipe de Guy Philippe a gagné une certaine affinité avec Bessap. Et d'ailleurs, il y a plusieurs gens qui ont un Bessap, qui sont des anciens militaires, qui n'ont pas caché sympathie au gain pour ancien commandant Guy Philippe. Maintenant, est-ce que ça veut dire entre Guy Philippe et Bessap gagner un quelconque lien officiellement? Moi, pas connais. Est-ce que ça veut dire entre Guy Philippe et Bessap un rapport crocodile? Moi, pas connais. Mais nous, mais ça dit yo. Mais c'est ça qui information directeur général que pouvoir lui-même lui révoquer là. C'est lui-même qui président consortium des partis politiques que Guy Philippe est élu sénateur sous lui en 2016. Et on dit Guy Philippe est capable de servir une vraie menace pour ce pouvoir. Et bien, il a décidé de taper à travers l'évocation de DGA. Si c'est pas vrai, Ariel Henry a déjà crié victoire. Par quoi ça, non, guerrier de seul. Parce que Bessap, ça n'a pas l'air guerrier. Il y a un pile monde, il y a un pile zam. Il y a des moyens. Je ne sais pas si vous avez mais si vous regardez ce qui vient de jouer nous, sur Internet, il y a des moyens. Donc, est-ce que Ariel Henry pense avec révocation de gentil là, et puis tout le bagage est fini, il y a pour reprendre le contrôle de Bessap. Et puis, il y a.